Bonjour, ça va bien? Installez-vous les marcheurs, installez-vous, il y a de la place encore sur l'herbe, on a passé le balai, c'est bien propre. On vous attendait. Il reste des petits coins de soleil pour ceux qui n'en ont pas eu assez. Il y a des beaux coins d'ombre juste en avant. Non, j'en ai déjà, merci. Il a fait la blague, il y a de la bière pour tout le monde. Ouais. Je sais pas si la police sera contente. Je reste pour rapporter. J'ai des années-lumière. Des années-lumière. Musicien, recherche quelque chose. Quelque chose de mieux à faire. Je suis un peu à l'envers. Je respire, je respire de quoi je meurs. Ah! J'ai des années-lumière. J'ai des années-lumière. C'est ici! Yeah, la marche a été chaude, hein? Ça paraît, ils sont plus tranquilles. Et, est-ce qu'il y a des patriotes dans la place? Ah, bonne journée nationale des patriotes. Ça fait plaisir de retrouver beaucoup de visages familiers encore cette année. Mon nom est Éric Michaud, je suis conteur professionnel, animateur de la journée. Pas là pour vous faire des comptes, là pour animer, pour amener ça. Aujourd'hui, on a une belle journée ensoleillée. On en profite, c'est une de nos journées nationales, une de nos journées de fierté aujourd'hui. Puis je me disais justement, on regarde les événements qui se passent maintenant au Québec. Si on fait des parallèles avec ce qui se passait à l'époque des Patriotes, il y a des liens à faire incroyables. Et je suis tombé sur une partie du discours de Patriote, qui s'appelait Édouard-Étienne Rodier. Un discours qu'il a fait à la Saint-Jean-Baptiste en 1835. Et je vous le fais en extrait à vous autres. Regardez comment que ça peut inspirer. Vous voyez comment ça se passe avec le gouvernement des fois, comment le peuple n'est pas consulté. Comment que le gouvernement prend ses décisions lui-même, sans écouter le peuple. Voyez comment ça se passait en 1835. Le peuple, source légitime de tout pouvoir politique. Voilà la doctrine que doivent aujourd'hui proclamer toutes les nations civilisées. C'est la seule base solide de tout bon gouvernement. Elle doit être la conviction de tout homme honnête. Tous les hommes sont nés égaux. Nul n'a été créé pour exercer sur l'autre un pouvoir arbitraire. Nul n'a été créé pour courber devant son semblable le front ignominieux devant de l'esclavage. Si les hommes étaient nés sans défaut, si l'envie, la cupidité, la soif de la domination n'étaient pas des vices inhérents à la fragile humanité, les humains auraient toujours vécu en paix et ils se seraient partagés avec égalité le patrimoine. Encore une fois, le peuple, source légitime, de tout pouvoir politique.